Le nationalisme de Marine Le Pen, c'est une vision de la France qui est agressive parce qu'elle suppose qu'il y a des ennemis intérieurs. Marine Le Pen, elle passe son temps à essayer de dire il y a des vrais Français et des faux Français. Ce sont des idées évidemment que je combats, ces idées nationalistes, ces idées de rejet de l'autre, ces idées xénophobes, il faut les combattre. La montée de l'antisémitisme et du nationalisme xénophobe. Face à la menace des nationalistes. Le nationaliste blanc. Le nationalisme, c'est la guerre. Le nationaliste pas blanc. Le nationalisme, c'est la guerre. Le nationaliste fasciste. Le nationalisme, c'est la guerre. De nos jours, le mot nationalisme est un mot qui a tendance à faire peur. Et pour beaucoup, il peut se résumer à cette très célèbre phrase de Mitterrand. Le nationalisme, c'est la guerre. Qui donne l'impression que le nationalisme serait une idéologie qui prônerait la confrontation contre le reste du monde et le repli sur soi. Et après les deux guerres mondiales, motivées en partie par des idéaux nationalistes, il a été considéré comme un poids dont il fallait se débarrasser. Or, si on dépasse ce résumé un peu grossier, on se rend compte que le nationalisme, c'est bien plus que ça. Quoi qu'on en pense, c'est une philosophie très complète et qui prend en compte tous les éléments de la vie d'un pays. Alors, que vous soyez nationaliste ou antinationaliste, ce que je vous propose ici, c'est de découvrir cette philosophie afin d'enrichir votre réflexion sur la question en vous proposant un autre son de cloche que celui qu'on entend littéralement partout, à savoir « Le nationalisme, c'est la guerre ». Et le point de vue que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est celui d'un contre-révolutionnaire. Parce que si les penseurs révolutionnaires sont encore très largement étudiés à l'école, les penseurs traditionnalistes et contre-révolutionnaires sont totalement passés à la trappe. Ainsi, on voit régulièrement la révolution présentée comme une formidable avancée. Une lutte contre l'obscurantisme, les lumières qui éclairent le monde, etc. Bref, le discours par défaut. Et pourtant, tout le monde ne partage pas ce point de vue, et c'est ce qu'on va voir ici. Alors, il n'y a pas longtemps, j'ai lu un livre. C'était « Les raisons du nationalisme » de Léon de Montesquieu. Et il est fort probable que vous n'ayez jamais entendu ce nom auparavant parce qu'il est totalement tombé dans l'oubli. Né en 1873 et mort à la guerre en 1915, il était l'un des principaux membres de l'Action française. Et dans ce livre, Montesquieu se base sur la pensée de nombreux autres auteurs pour proposer une synthèse de la pensée nationaliste. Une synthèse dont je vais moi-même faire la synthèse. Parce que oui, ceci est bien la synthèse du livre. Ça ne veut pas dire que je partage toutes les idées de l'auteur à 100%. Mais je vais m'efforcer de mettre mon opinion de côté pour ne pas trop parasiter son message. Il y a une idée très importante chez les nationalistes qui structure vraiment toute leur pensée. C'est l'idée selon laquelle les sociétés humaines n'échappent pas aux lois naturelles et qu'elles fonctionnent comme n'importe quel organisme vivant. Alors, ça a l'air tout simple dit comme ça, mais cette pensée implique énormément de choses. Pour les penseurs nationalistes et traditionnalistes, il n'y a pas de construction sociale, uniquement des constructions naturelles. Parce que dans l'idée de construction sociale, il y a l'idée que l'homme se placerait au-dessus ou du moins en dehors de la nature. Or, ici, on considère que ce sont bien les règles de la nature qui ont fondé les traditions. Et donc, de ce point de vue, les constructions sociales, ça n'existe même pas. L'organisation des hommes en société et les traditions qui en découlent sont des lois naturelles. Et c'est une idée qu'on retrouve beaucoup chez Charles Maurras notamment, qui rappelle d'ailleurs que l'exception dans l'humanité, ce n'est pas la civilisation, mais bien la sauvagerie, parce que les hommes créent naturellement des sociétés. C'est une loi naturelle. Et l'idée, c'est donc de chercher à comprendre ces règles et d'adapter sa manière de vivre en fonction, parce que on ne commande à la nature qu'en lui obéissant. Et ces lois naturelles, chez un peuple, elles s'incarnent dans ce qu'on appelle la tradition. En fait, la pensée traditionnaliste et nationaliste sont très liées, elles se confondent même. Et pour ces penseurs traditionnalistes, il y a un devoir à conserver l'héritage qui nous a été légué. La tradition, c'est le passé livrant au présent tout son trésor accumulé par les siècles. En fait, on est redevable à nos ancêtres, on leur doit absolument tout. Jusqu'à cette chose qui nous semble si naturelle, cette technologie façonnée par les siècles, le langage. Et voilà pourquoi il est présomptueux, voire stupide, de dire qu'on ne doit rien à la société. Déjà, est-ce que la France se bat pour moi ?
on lui doit absolument tout. L'expérience des siècles nous a conduits à ce niveau de confort jamais atteint dans l'histoire de l'humanité. Les robustes races ont toujours eu des commencements monotones, des mœurs étroites et un respect superstitieux de la tradition, une défiance rigoureuse de la nouveauté, et il arrive une heure dans l'histoire des sociétés où cette discipline féconde, mais peu subtile, produit un capital de facultés dont le civilisé jouit sans s'inquiéter de savoir comment il lui est venu, à la façon de ses fils de grande maison qui n'augmentent plus leur fortune. Et ça, c'est l'autre grande idée vraiment structurante pour les nationalistes ou les traditionalistes. C'est qu'il faut prendre en compte tout ce qui a été fait dans les siècles précédents. Il faut considérer que les morts ont toujours leur mot à dire, que les peuples ne se composent pas que des vivants. C'est le fameux « les morts gouvernent les vivants » que quelqu'un comme Zemmour ressort très souvent d'ailleurs. La tradition est issue de longs tâtonnements d'hommes qui finissent par convenir, presque inconsciemment, naturellement, que leur manière de vivre est la plus adaptée à leur situation. Le but pour les traditionalistes, ce n'est donc pas de créer des individus et une nation telle qu'ils aimeraient qu'ils soient, mais de se conserver tels que les siècles les prédestinèrent. Et cette question du conservatisme, de maintenir en place les traditions, elle ne se posait pas vraiment avant la Révolution. Mais le siècle des Lumières, le siècle de la raison, a préféré occulter ce réel, cette construction naturelle qu'est la tradition, au profit d'un idéal créé de toutes pièces, un idéal artificiel. Les Lumières vont donc aller jusqu'à nier l'existence des racines de la France. La Révolution, c'est le déracinement au sens propre. Tout ce que les siècles ont construit de manière naturelle, la Révolution a cherché à le détruire. Le nationalisme n'existe donc qu'en réaction aux idées de la Révolution. C'est une pensée réactionnaire. Le nationalisme n'a rien été d'autre que le réveil de l'instinct vital d'un pays qui, tout à coup, a le sentiment qu'on le désorganise et le démoralise. Le nationalisme, c'était quelque chose qui n'avait pas de raison d'exister avant la Révolution, parce que c'était quelque chose de naturel. Et ce à quoi s'oppose le nationalisme, c'est l'universalisme. Si le nationalisme consiste à tout juger par rapport à l'intérêt français, à une réalité concrète, depuis la Révolution, on juge tout par rapport à des concepts abstraits. Égalité, liberté, droits de l'homme, principes de la République, etc. Être français devient donc une abstraction. La France, c'est le fil rouge de toute notre histoire, en fait, de tout ce qui nous a précédé, de tout ce qu'on voudrait poursuivre, qu'il y ait une République ou pas. Notre littérature est française, elle n'est pas républicaine. On parle le français, on ne parle pas le républicain, ça ne nous empêche pas d'être en République. On est français à partir du moment où on partage les idées de la Révolution, et dans ce cas-là, tout le monde peut devenir français. La patrie n'est plus la terre de nos morts, mais la terre des idées. La patrie elle-même devient une idée. Là où, jusqu'à présent, elle avait été une réalité concrète. En fait, pour un révolutionnaire, la patrie, ce n'est pas la France, mais les idées de la Révolution. Rousseau a d'ailleurs déclaré « S'il est un État où règne la justice et la liberté, je suis citoyen de ce pays-là. » Donc en clair, je suis français pour l'instant parce que, pour l'instant encore, la France est ce pays-là, mais si la France reniait ses idées, je renierais la France. Avec les philosophes des Lumières, on n'est plus attaché à un lieu, à une terre, mais bien à une idée. Et si on devait définir le nationalisme en une phrase, ce serait la volonté de faire passer les intérêts du pays avant tout le reste. Là où l'idéologie universaliste considère que la France devrait être traitée au même niveau que tous les autres. Parce que l'universalisme, avant d'englober tous les pays du monde, visait en premier lieu les provinces de France. Lorrains, provençaux, bretons, parisiens, etc. La République, pour créer un homme nouveau, a donc cherché à détruire les particularismes culturels pour créer un homme unique, une culture nationale. La République française a donc créé sa culture en sacrifiant toutes ses cultures. L'idée de la France, créée par les révolutionnaires, a pris le pas sur la réalité de la France fondée par le temps et la nature. La Révolution est un acte antinaturel. Et c'est le thème du roman « Les Déracinés » de Maurice Barrès, qui parle d'un professeur qui tente de déraciner ses élèves au nom de la liberté. Parce que la Révolution a travaillé à l'abolition de la province et à son remplacement par la division artificielle, le département. La province, la petite patrie, est remplacée par l'État-nation. C'est le premier pas vers l'universalisme. Et cet amour de la province sera supprimé jusque dans les cœurs.
et c'est le patriotisme qui prendra sa place. Et effectivement, à partir de la Révolution, on va assister à une explosion du patriotisme. Et d'ailleurs, pour beaucoup, le patriotisme vient de la Révolution elle-même. Certains aiment bien dire aussi que le patriotisme est une valeur de gauche. Tu connais l'histoire du patriotisme ? Bon, ben, dans l'histoire française, pour le meilleur ou pour le pire, elle s'enracine plutôt à gauche, hein, puisque ben, finalement, c'est une création de la Révolution. Mais Montesquieu s'oppose à cette analyse parce que ce sentiment existait déjà avant. Le patriotisme révolutionnaire, pour Montesquieu, c'était un patriotisme factice, causé notamment par la crainte de l'envahisseur. Les penseurs révolutionnaires, et Rousseau notamment, n'étaient pas attachés à une terre, à une culture, à une tradition, mais bien, je le répète, à des idées abstraites. Et ce patriotisme révolutionnaire n'a été qu'une étape transitoire vers l'idéal internationaliste. Edmund Burke dira d'ailleurs à ce sujet dès 1790, et c'est assez impressionnant, « On s'est vanté d'avoir adopté une disposition géographique, que toutes les idées locales seraient éteintes, que le peuple ne serait plus connu sous le nom de Gascon, Picard et Normand, mais de Français, avec une seule patrie, un seul cœur et une assemblée. Mais ce qui arrivera vraisemblablement, c'est qu'au lieu d'être tous Français, les habitants de ce pays ne tarderont pas à n'avoir plus de patrie. » La Révolution, en abolissant la province, en supprimant les traditions locales, a détruit l'amour naturel des hommes pour leur terre au profit de l'amour d'une idée. Les révolutionnaires n'avaient aucun problème à sacrifier la France à leur idéal. Difficile donc, pour Montesquieu, de les considérer comme de véritables patriotes. Et Montesquieu note aussi ce symbole très intéressant. La Révolution n'a laissé comme monument que le Champ de Mars, c'est-à-dire un énorme espace vide qui accueillera bientôt l'exposition universelle. Symboliquement, on détruit le royaume de France pour y accueillir le monde entier. L'universalisme a donc transformé la France de l'intérieur et c'était une première étape indispensable parce que cet universalisme impliquait que la France devienne le pays de tous. Et ça, c'est un grand paradoxe. Un pays qui base son identité sur l'universalisme et non sur ses particularismes, c'est la négation même de l'identité. Et ne pas considérer son pays comme plus important que les autres, ça a quelque chose d'assez étrange, voire malsain. Celui qui n'aime pas sa mère plus que les autres mères et sa patrie plus que les autres patries n'aime ni sa mère ni sa patrie. Le patriotisme révolutionnaire, c'est une lutte pour une nation dont tout le monde peut devenir citoyen. Une idée abstraite. La patrie n'est plus faite d'espace ou de temps, mais d'idées. Et cet universalisme, qu'on appelle beaucoup moins poétiquement aujourd'hui le mondialisme, a bien été ce que Montesquieu avait prédit, à savoir un déracinement généralisé. Pour Montesquieu, les raisons du nationalisme sont une réaction à la pensée des Lumières et tout particulièrement à la pensée de Rousseau et son fameux « La nature a fait l'homme heureux et bon, la société le déprave et le fait misérable ». Le traditionaliste, lui, a une pensée tout à fait inverse. Pour lui, l'homme tel que la nature le crée est imparfait, mais il est perfectible. Et cet outil pour perfectionner l'homme, c'est justement la société. Et ce qui est assez fou, c'est qu'on a modelé toute une société à partir de ce sophisme. Selon Rousseau, la société empêche les individus d'être libres, et l'individualisme va être justifié par la notion abstraite de liberté. Si l'idéal révolutionnaire cherche à détruire la tradition, c'est parce qu'elle était une prison pour l'individualiste. L'individualiste veut s'émanciper de tout, parce qu'au fond, il n'y a que deux manières de concevoir l'homme. Soit vous considérez que l'homme est un tout en soi, soit vous considérez qu'il est une partie d'un tout, la société. Et comme le dit très bien Jonathan Sturel dans la préface du livre, le débat entre moderniste et traditionaliste est souvent résumé, de manière caricaturale, à un combat entre ceux qui seraient pour la liberté et ceux qui seraient contre. Un résumé extrêmement biaisé donc. Pour les modernistes, l'émancipation individuelle est le but ultime de la vie. Ainsi, la vie en société devient une contrainte dont il faut chercher à s'extraire. Pour les traditionalistes, la société est le cadre qui permet à une existence de se déployer dans les limites de la nature et de ses possibilités. Bref, une vision utopiste contre une vision pragmatique. Pour les traditionnalistes, l'homme est avant tout le fruit d'un environnement culturel et social. L'homme est façonné par son milieu. Une idée insupportable pour les révolutionnaires qui y voient un obstacle à l'expression de leur individualité. Et dans son livre, Montesquieu va prendre le contre-pied de tout ça. Pour lui, le déterminisme et l'individualisme n'ont pas à être considérés comme opposés. Il va prendre l'exemple de Maurice Barrès qui est arrivé au nationalisme par l'individualisme. Et pour comprendre ça,
il faut revenir sur son roman de l'énergie nationale, composé de 3 livres, et déraciner l'appel aux soldats et leur figure. Dans ses écrits, il va pratiquer une forme d'auto-analyse. Donc on est vraiment dans l'individualisme à l'état pur, voire dans l'égocentrisme, le culte de soi. Mais pour Barrès, il y avait l'idée que cette analyse qu'il faisait lui-même pouvait l'aider à se recomposer. Et ce qu'il a découvert en fin de compte, c'est que pour comprendre qui il était, il avait besoin de comprendre d'où il venait. Et ce que finit par réaliser Barrès, sa grande conclusion, c'est la chose suivante. « Je vis que je n'étais qu'un instant d'une longue culture, un geste entre 1000 gestes d'une force qui m'a précédé et qui me survivra. » Ce qu'il finit par comprendre, donc, c'est qu'il est son pays. Et voilà pourquoi il se déclare nationaliste. Pour Barrès, un nationaliste, c'est un Français qui a pris conscience de sa formation, qui sait que, s'il est ce qu'il est aujourd'hui, c'est la France qui l'a fait. En fait, on est son pays avant d'être soi-même. Mais à une époque comme la nôtre, où l'individualisme est à son paroxysme, c'est quelque chose d'assez difficile à entendre, parce qu'on est conditionné à être plus attiré par l'idée d'être unique que de faire partie d'un tout. Donc, on l'a vu, on peut opposer révolutionnaire et traditionnaliste sur plusieurs points. Individualisme contre traditionnalisme, utopisme contre pragmatisme, et on pourrait même en rajouter une dernière, raison contre émotion. Parce qu'effectivement, les révolutionnaires font cette erreur monumentale de penser que l'homme est une créature rationnelle. Le traditionnaliste, lui, dit au contraire qu'il est avant tout un être affectif. Et les penseurs révolutionnaires ont voulu croire en leur idéal au point de penser que la raison était le seul principe à l'œuvre derrière les actions des hommes. Et c'est paradoxalement la vision du monde la plus déraisonnable qui soit. La véritable raison, c'est de prendre en considération le caractère intrinsèquement sentimental, émotionnel, irrationnel de l'homme. Et ce n'est pas trahir la raison que de dire ça, c'est admettre un fait. Nous ne sommes pas des êtres faits uniquement de raison. Et le reconnaître, c'est ça, être véritablement rationnel. Le penseur révolutionnaire parle de l'homme tel qu'il aimerait qu'il soit, le penseur traditionnaliste parle de l'homme tel qu'il est. Je sais qu'il y aura pas mal de gens pour me dire que la Révolution a apporté beaucoup de progrès, qu'elle a combattu l'obscurantisme et qu'elle a permis toutes sortes d'avancées sociales et de progrès. Mais à ça, Montesquieu oppose un argument très intéressant. Pour lui, la Révolution ne peut pas revendiquer tous ces progrès car ils sont avant tout le fruit d'avancées technologiques, industrielles et scientifiques. Et ces progrès auraient été les mêmes, révolution ou pas. Et après tout, on ne peut que constater que ces progrès ont aussi eu lieu dans des pays où il n'y a pas eu la révolution. Alors ici, il ne s'agit pas pour Montesquieu de réécrire l'histoire avec des si, mais bien d'affirmer que c'est l'ancien régime qui a planté les graines de ces progrès et la révolution qui les a récoltés. En clair, les changements positifs qui ont eu lieu après la révolution sont davantage dus aux progrès techniques qu'aux changements de régime. Mais ce sont toujours les vainqueurs qui écrivent l'histoire, c'est bien connu. Voilà pourquoi je ne peux que vous encourager à vous intéresser à ces penseurs contre-révolutionnaires qui ont souvent des idées très intéressantes et très riches, qu'on soit d'accord avec eux ou pas. Et avant de vous quitter, j'aimerais vous lire une prédiction assez impressionnante que faisait Montesquieu dans ce livre il y a plus de 100 ans. L'œuvre de la révolution ne se trouve pas achevée. La famille résiste encore. L'individu n'est pas encore complètement libéré. Il le sera demain, par l'établissement de l'union libre et par la complète abolition de l'autorité du père de famille, ce qui lui reste de cette autorité, l'éducation de ses enfants lui étant retirée pour être confiée à l'État.